monde, donc je vais faire une vidéo d'abord de présentation en fait pour expliquer qui je suis, d'où je viens, mon passé sur YouTube, pourquoi est-ce que je reviens, etc. C'est une vidéo un petit peu approche présentation de la chaîne et explication un petit peu de ce que je vais vous présenter et de pourquoi est-ce que je suis un peu sur YouTube, etc. C'est une vidéo que je vais essayer de faire court, mais pour pas que ça dure trop longtemps, parce que ça va être que du blabla, du blabla, du blabla, donc je vais pas vous ennuyer, etc. Mais je veux que ce soit clair, que vous compreniez un petit peu qui je suis, d'où je viens, pourquoi est-ce que je suis sur YouTube, etc. Déjà, je m'excuse pour la qualité. En fait, j'ai filmé ma vidéo sur mon téléphone. Quand j'ai voulu la transférer, en fait, sur mon ordi, donc j'ai branché le câble normal, etc., comme tout le monde, ça m'a dit que le fichier est endommagé, etc. Enfin bref, fallait changer le format de la vidéo, truc que je ne comprends pas du tout comment on fait avec l'ordinateur, etc. Bref, grosse misère, gros bazar. Du coup, bah la vidéo sur le téléphone, j'ai dû la supprimer. Je suis en train d'en refaire une. Donc la qualité, en fait, elle est pourrie. Je vous explique pourquoi. Je me vois toute floutée, plein de gribouillis, enfin de grisailles. Enfin bref, un truc bizarre, quoi. Je me vois pas claire, nette, ma tête bien, tout comme sur le téléphone. Parce que je filme avec la caméra de l'ordinateur, chose que je n'ai jamais faite. Donc c'est une première, je suis vraiment désolée, je m'excuse pour la qualité de la vidéo. En fait j'avais un appareil photo avant. Je vais vous expliquer. En fait j'avais une chaîne YouTube que j'ai créée avec ma sœur il y a un an et demi à peu près, ça s'appelait Hello Sister. Donc on faisait nos vidéos, des vlogs, nos favoris, des tags... des room tours, etc. Un petit peu tout, en fait. Sauf que... Ah, je m'installe confortablement, c'est mieux. Sauf qu'en fait, on a arrêté la chaîne du jour au lendemain, en fait, sans explication, sans vous dire pourquoi... Enfin, vous... Sans les abonnés qui nous suivaient, en fait, sur la chaîne Hello Sister, expliquer pourquoi est-ce qu'on a arrêté, etc. En fait, je vais vous expliquer. On a arrêté parce que toutes les deux, on est en plein milieu de nos études. Nos écoles étaient à 1h30 de route de là où on habite. Ce qui fait qu'on partait hyper tôt le matin. Bon, par chance, j'avais mon permis, donc on partait en voiture. On rentrait hyper tard le soir, donc on avait réussi à trouver un appartement à peu près. Mais c'était pas à côté de nos écoles, quoi. On avait encore 1 heure de route à faire. Ce qui fait que du coup, bah, en fait, on a perdu... on n'a pas eu le temps, en fait. On n'a pas réussi, surtout toutes les deux, à gérer notre vie donc familiale, notre vie privée, toutes les deux, chacune de notre côté, à réussir en même temps nos études et à gérer en même temps la chaîne YouTube. Du coup, ben, on a considéré que ce qui était le plus important dans les trois, c'était quand même nos études et nos familles. Ce qui fait qu'on a mis à part YouTube, on a dit on arrête YouTube. Juste le temps qu'on finisse nos études, qu'on arrive à gérer, à trouver du temps pour faire YouTube et nos études et profiter en même temps de nos familles, tout ça, parce que c'est vrai que bah, que ce soit elle ou moi, la famille, c'est quelque chose d'hyper important. On est très proche de nos parents, tout ça. Donc voilà, on a arrêté la chaîne. Et elle est toujours en plein milieu de ses études, etc. Moi, en ce moment, je fais une pause. Enfin, une pause. J'ai passé mon concours d'aide-soignante en septembre. Et la rentrée n'est qu'en janvier. Ce qui fait que bah, j'ai 3... Septembre, octobre, novembre, décembre. J'ai 5 mois. Ah, quel débile, je compte sur mes doigts. J'ai 5 mois, je risque de couper ce passage-là quand même. Bref, j'ai 5 mois du coup de libre. Bon, on est déjà en novembre, vous allez me dire, il te reste qu'un mois et demi ma vieille, mais bon, c'est pas grave. Je vais essayer de me donner quand même à fond, de faire quelques vidéos, etc. En fait, filmer avec ma sœur, ça nous a vraiment... on était très proches, hein, vraiment, on est très complices toutes les deux, etc. Mais c'est vrai que ça nous a fait un truc à nous deux en fait. C'était notre chaîne, c'était nos vidéos, c'était nos moments à deux où on filmait, où on rigolait, où on... Voilà. Et c'est vrai que ça me manque beaucoup parce que du coup, on filme plus. Mais c'est aussi le fait de filmer, de partager des choses avec vous, de vous montrer un peu notre environnement, nos passions par la décoration, le maquillage, la beauté, tout ça, quoi, la mode... On aimait beaucoup faire des DIY aussi, on n'a pas eu le temps de faire des vidéos sur ça. Et franchement, j'espère que si la chaîne que je viens de lancer, elle marche, si j'ai des abonnés, si je vois que vous me suivez, que le contenu de ma chaîne, ça vous plaît vraiment, vraiment, je pense que je vais essayer de faire des DIY parce que c'est vraiment des choses qu'on a adorées toutes les deux. Désolée pour les reniflements, en fait, c'est que j'ai le nez un peu bouché, du coup ça va être désagréable, je suis vraiment désolée.
Bref, du coup, en fait, je. Donc, ça, c'est un peu l'histoire passée. La chaîne avec ma sœur qu'on a dû arrêter. Nan, nan. Et pour parler du présent, et donc j'espère du futur, je reprends la chaîne. Donc, j'ai changé de nom, j'ai changé la bannière de présentation, j'ai changé le. Bah, tout en fait. J'ai dû recréer une chaîne parce que je ne pouvais pas reprendre l'autre étant donné qu'elle ne sera plus sur la chaîne. Sauf si j'espère un jour on peut refilmer ensemble. Mais j'espère que sur cette chaîne qui est à mon nom, à moi. On pourra faire quelques vidéos ensemble que je vous partagerai. Parce que c'est vrai que les vidéos à deux, on faisait des tags toutes les deux, pardon. Des challenges, etc. Ça plaisait beaucoup. Donc je vais essayer de faire quelques vidéos quand même avec elle. Ah, la qualité, elle est vraiment nulle, hein. Je m'excuse, mais mille fois. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que j'ai arrêté la chaîne avec ma sœur pendant 1 an et demi. Aujourd'hui, je reprends. Après, je pourrais pas faire énormément de vidéos non plus par semaine. Je vais essayer de vous en faire quelques-unes, etc. quand j'aurai le temps. Là, pour l'instant, je peux vous en faire plusieurs parce que ben, j'ai beaucoup de temps jusqu'en janvier. En janvier, je serai en formation, donc j'aurai beaucoup de stages, beaucoup de cours, beaucoup. Je serai pas autant disponible que maintenant. Donc, je vous en ferai pas autant. Je vous en ferai quand même parce que je compte vraiment reprendre la chaîne, faire des vidéos régulièrement. Vous partager des choses que je fais, des vlogs, des tags, des challenges. Voilà. Donc écoutez, c'est la fin de la vidéo. J'ai expliqué à peu près rapidement, mais j'essaie d'être claire et précise pour que vous compreniez. La chaîne que j'ai eue avant avec ma soeur, la chaîne que je fais maintenant. Après, pour vous dire à peu près ce que je vais présenter, ce sera vraiment bah, comme avant quoi. De la mode, du maquillage, tout ce qui est un peu bah, lifestyle en fait. Ce que je fais, des vlogs, si je peux vraiment. Voilà, je vais essayer de vous présenter un petit peu tout ce que j'aime, mes passions pour la beauté, etc. Si ça vous plaît, si vous avez envie de me suivre, abonnez-vous dès maintenant. Aimez cette vidéo. C'est une vidéo juste d'approche, de présentation, mais j'espère que le reste va vous plaire. J'essaierai de filmer dans la semaine une autre vidéo, un petit peu peut-être room tour, parce que c'est vrai que ma chambre n'a plus rien à voir du tout avec la vidéo room tour que j'ai fait dans l'autre chaîne d'Hello Sister. Allez faire un tour si vous voulez pour voir comment elle était avant. Et je vous ferai un avant-après un petit peu. Écoutez, je vous fais des gros bisous, d'énormes bisous. Ça m'avait vraiment manqué de filmer. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!